Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude, mais bon, ouais, aujourd'hui c'est quand même un petit peu différent quoi. On est un petit peu sur le deuxième épisode de Far Cry 6, regardez comment c'est magnifique. J'espère vraiment que vous avez kiffé le premier épisode, oh, avec ce lever de soleil. Danny, ou coucher, je ne sais pas. Bien, tu me reçois ? Oui, allô ? 5 sur 5, du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à redire là-dessus. Bon bah ça va, lui fais pas trop de compliments. Hein. Cache bien ton arme si tu ne veux pas t'attirer d'ennui. Surtout dans les zones truffées de soldats, d'accord ? Ouais. Entendu. Alors comment on cache ? Évite de te battre si ça n'en vaut pas la peine. Bonne chance. Oh oui ! En fait, alors ça c'est vraiment trop bien. Alors comment on... Voilà, on maintient. Ok. Ok, d'accord. Très bien. Ça marche. Attendez, on va juste faire un test. Comme ça. Ok, ça marche. C'est trop bien. En fait, on n'est pas forcément toujours obligé de se mettre dans la merde. Alors, on risque toujours de passer pour des suspects... Si on fait de la merde, mais on n'est pas toujours obligé de tirer tout le temps. Et ça, c'est cool. C'est réaliste d'ailleurs, puisque, hein, enfin, je veux dire, à un moment donné. Bon, bref, c'est incroyable, c'est trop cool, ce jeu est fou. Donc, on va rester comme ça à main nue. On se promène, on se balade, voilà, on se balade tranquillement. Eh bien, nous allons passer par là, tout simplement, voilà, et on va chercher Juan, du coup, je vous rappelle, hein, là, on va aller chercher Juan. Je ne sais pas qui c'est, mais. Enfin, si, elle nous a fait un descriptif, Clara. Dans le premier épisode. Ils veulent le ramener au camp. Tout simplement. Donc là. C'est écrit quoi là? Il ne faut pas. Il ne faut pas avoir d'armes. Voilà, tout simplement. Bah, ça tombe bien, je n'en ai pas. Ok, et on voit des zones rouges sur le radar en bas à gauche. C'est les zones où je pense que c'est un peu risqué. Donc là, je vais serrer des fesses. Il y a des gardes partout. Voilà, regardez, on va juste se permettre quand même de piquer des... Hop. Vieux, il porte un chapeau de type Fedora et des fringues de touriste. Il parle sans arrêt. Désolé, seigneur. Je ne l'ai jamais vu. Et la terroriste de Libertad, Clara Garcia. Ça roule ? Non, non plus. Ok, donc là, faut chercher Juan. Elle est en train de se faire taper, là, ou quoi ? Bonjour. Ça va ? Oh là là, ça me fait de la peine. Gardez. Attends, serviette froissée, merci d'avoir livré ces fournitures médicales à notre cause. Yara est gouvernée par un monstre tyrannique et ses sacrifices nous aidera à le renverser. Tous les Yarans devraient pouvoir vivre sans souffrir. Oh, attendez. En fait, les gardes qui sont là... Qu'est-ce que t'as ? Bah, j'aimerais bien t'aider, mais bon. Oui, donc bref, les gardes qui sont là, c'est pas des gardes de lui, là, il me semble. C'est pas les gardes de la dictature. C'est des gardes d'ici, quoi, on va dire. En gros, il y a plusieurs camps, un petit peu, vous l'aurez compris, puisque tout le monde essaye un petit peu de s'en sortir contre tous ces soldats armés, etc. Donc, contre toute cette dictature, il y a plusieurs clans qui se forment, vous l'aurez compris. Et pour le moment, on comprend pas forcément tout, mais on va vite comprendre. Bon, moi, j'aimerais trouver Juan. De toute façon, ça se prononce pas comme ça. On peut taper aux portes ? Pas du tout. Parce qu'elle est grande la zone de recherche quand même. Hein. Ah. On dirait bien que c'est Juan. Et en plus il joue du piano, pas du tout. Salut Juan. Ça va Juan? Aujourd'hui on boit un coup dans le bar le plus miteux d'Yara, ou bien de Colombie, du Kirat ou de Tchétchénie. Laisse la bouteille, ce sera plus simple. De nada. Guapo, écoute-moi, règle numéro 16. Un guerrier ne connaît jamais le repos. Il y a toujours une autre guerre, un autre rad, un autre barman pas beau à boire. Juan Cortés ? On peut jamais être tranquille, Guapo. C'est pas un putain de zoo ici, l'ancêtre. Clara m'envoie te chercher. Si. J'ai appris il y a longtemps à ne jamais douter d'elle. Tu verras. Mais je te connais, toi. Tu dois confondre. Si, je te connais. Comme si je me voyais dans un miroir, Guapo. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tes yeux, camarade. T'as une faiblesse. Tu te prendras pour une héroïne, mais tu deviendras une accro. Exactement comme Juan Cortés. Santé. Laisse tomber, je suis en train de perdre mon temps. Tu sais siffler ? Quoi ? Non, tu sais pas siffler.
Unyo. Bing. Espèce de sale rat. Tu vaux plus mort que vivant, en fait. Mais bordel. Si, je dois prouver amoureux de toi. Et j'ai ruiné le seul exemplaire de mon livre. Bon, les amis, on y va? Une fois encore, je crois qu'on n'est plus les bienvenus. Eh oui, bah y a des choses qui se disent pas, hein, les amis. Ok, d'accord. Ok. Ok. Alors attendez, laissez-moi me mettre dans le bain. Première phase de gameplay. Ok. Le recul est incroyable. Alors c'est bien parce qu'on a un crocodile avec nous et ça c'est cool. Il vient même pas m'aider le frérot là. Attendez, attendez, je suis en train de perdre toutes mes balles, c'est dommage. Voilà. Ah j'ai un shoot les gars. Oh là là. Bon attends, lui on va le chercher, lui il sert à rien. Allez mon pote, sert à quelque chose là Cortez. Voilà, on récupère les munes. Ok, c'est bon. Maintenant, barrons-nous et fermez toute entière réplique. Vous êtes bourré, mais... Du coup, est-ce que c'est une milice? Je suis le vieux. Du coup, c'est lui qui doit me suivre là. Est-ce que c'est une milice ou est-ce que du coup, c'est les soldats de du dictateur? Je ne sais pas. Du coup, j'ai pas compris. J'avais cru comprendre, mais en fait non. Être ton ami. Ou alors, il a juste envie de couler un bron. Il y a qu'un moyen de le savoir. Faut siffler. Ah ouais. Ça y est, nous avons un amigo. C'est guapo. Allez, on fout le camp ici. J'adore. Et alors attendez, il y a des défis en plus avec le crocodile. Et ça nous permet d'avoir... C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, amigo discret, amigo de combat. Ah, c'est différents types de... Je sais pas si c'est des apparences ou si c'est des... Je sais pas, j'ai pas compris, mais on va très vite comprendre les amis. On va très vite comprendre. Nous, on va suivre notre ami Juan Cortez. Bien sûr. C'est quoi ton nom? Danny. Danny Briand. Il m'a dit que t'étais une légende, un ex du KGB, de la CIA. Ah oui, c'est ça. J'ai plus d'ex que le plus grand des Casanova. Certains hommes cassent des œufs au petit-déj. Mais Juan Cortez, lui, c'est des putains de pays qui cassent pour son... Attends. Changement de plan, Danny. Vamos. On est censé retourner au camp de Clara. Où est-ce qu'on va, là, bordel? Oh, il veut foutre la merde, il veut foutre la merde lui hein. Il veut foutre la merde. C'est un avant-poste. C'est bon, on a compris, c'est un avant-poste les gars. Fumée. Ça veut dire que la tour de guet vient de recevoir une cargaison avec certains des matériaux les plus rares de Yara. Ah. Et tu vas les récupérer. Quoi, tu veux que j'aille voler des trucs pour toi? Poudre à canon et catalyseur de suprémo. Okay. Ils sont aux flingues, ce que la bière est aux bricoleurs. Je vais t'apprendre à fabriquer des accessoires pour tes armes. Parce que c'est cool. Et que comme la règle numéro 9 le dit, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Tu viens avec moi? Putain, non. Prends Guapo si tu veux. Il t'aidera à tout déchiqueter. Mais si tu veux te la jouer en mode furtif, laisse-le là. Lui, il aime foutre le bordel. J'adore. Et la VF, elle est incroyable. La VF est incroyable. On peut diriger. On peut donc diriger, au voilà, moins, le... Je peux compter sur toi, Guapo. Le Guapo. Vas-y, viens, Guapo. D'accord, donc je peux lui dire... Okay. Vérifie tout. Elle laisse rien sur place qui pourrait nous être utile. Donc la fumée orange, c'est quand il y a des livraisons. Alors on va essayer de se la jouer furtif, si vous voulez. Ok, donc on a un garde ici, un garde là-haut. J'ai pas de silencieux sur mon pistolet, ça c'est le petit problème. Donc pour se la jouer furtif, avec bonsoir. Sans armes, les militaires vont pas me louper ici. Ah ouais. Ah ok. Bah alors on va foutre le bordel. Je crois que niveau furtivité, ça va pas être possible. Attaque. Venga, os disperso.
Ok, je me suis fait cramer. Je sais pas comment, mais je me suis fait cramer. Bon, c'est bon, il y a Guapo qui est là. Mon petit crocodile. Bon, là, mon shoot est pas trop dégueu. Mais non, Guapo, là! Espèce de con! Allez, c'est là qu'il faut aller. Oh putain, j'arrive pas. Allez, on y va. Vas-y, Guapo. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez, on récupère. Hop. Ça pourra peut-être servir. Ok, alors c'est super long. Allez, on vole. Donc c'est une cargaison larguée, d'accord, très bien. C'est bon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Juan ? Poudre à canon. Putain, encore on a pas mal de trucs. On a pas mal de beaux trucs. Bon, c'est pas un avant-poste, hein. Je croyais que c'était un avant-poste, mais... C'est juste des matières premières. Hop, à moi. Passons aux choses sérieuses. Oh là 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 là. Magnifique. J'ai trouvé ton truc, Juan. Bien joué, Dali. Maintenant, mène-toi le train, faut qu'on retourne au camp de Clara. Oh, oui, regardez-moi c'est ce cette arme. Depuis le début. Ouais, ouais, il va se calmer, hein. Le Cortez. Vas-y, Guapo, viens avec nous. Ok, on en a plus qu'il en faut. Foutons le camp d'ici. Ouais. Je suis bien d'accord. Alors, c'est quoi toutes ces merdes? Tu construis quelque chose? Patience, Dani. Règle numéro 8. Les guerrieros savent attendre. Comme une araignée dans sa toile. Ou un tueur en série. Alors, comment t'as fait pour atterrir dans ce Kouara? J'étais sur un bateau de réfugiés. On n'est pas allé bien loin. Ouais, ouais. Et moi, je suis arrivé ici dans un hélico pile pour notre petite invasion de Sanctuario. Tombé direct du ciel. Non, je voulais dire, c'est quoi ton histoire? Mon orphelinat à Esperanza. Puis l'armée. Je suis pas une guerriera. J'aide seulement Clara jusqu'à ce qu'elle me sorte de cette île. Règle numéro 20. Guerriero un jour, guerriero toujours. Oh, c'est beau, allez, c'est beau. Avec ça. Trop tard. Les gamins sont devenus complètement accros à la poudre blanche. Y a pas d'autre solution. Ma solution, c'est l'Amérique. Bien sûr. Et tu crois que les Américains veulent ton sang, Yaran? Le rêve américain, c'est pour les Américains, Dani. Tu t'arrêtes jamais, hein? Non. Guapo déteste les là. Cogno. Si vous êtes si proche, pourquoi il me suit? Guapo va avec ceux qui ont besoin de lui. Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. On peut avoir toute confiance en Guapo. Ouais. Je demande à voir. T'as le temps. T'as dit que ton hélicoptère avait été abattu pendant l'invasion. Tu peux le réparer? Quoi, pour t'amener jusqu'en Amérique? Non, je... Il est cloué au sol. Mais j'y travaille. Patience, Dani. Maintenant, Juan Cortez va te montrer comment on fabrique quelque chose à partir de rien. T'es déjà parlé de la règle numéro 9? À l'instant. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Une règle pleine de bon sens. Ok. Sacré Cortez celui-là. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on ramène à la base, mais ce gars-là, c'est une pépite aussi. Hein. Je pense que les deux vont faire la paire avec Clara. On va voir ça. Combien ils sont? Le retour de la légende. Ouais, bah la légende doit aller pisser. Qui c'est? Une journaliste qui a osé traiter Anton de fasciste. Depuis, c'est une paria, une esclave de son paradis. Et ce n'est pas la seule, Dani. Il est temps que t'apprennes à bricoler, Dani. J'ai monté un moteur de tronçonneuse sur mon vélo à 6 ans. Le blocus me force à bricoler tous les jours, Juan. Voilà, tu parles de survie. Dans la guérilla, bricoler, ça se résume pas à faire avec ce qu'on a. C'est répandre le chaos avec tout ce qu'on a. Je t'écoute, vas-y. L'établi est le meilleur ami du guerriero. Vas-y, ok. Dani. Alors, regardons un peu tes armes.
arme principale. Mais ton fusil, il est banal. Oh. On va s'occuper de ça. Dis-moi tout. Alors. Règle numéro 9, toujours utiliser le bon outil. Parfois, je cogite dans mon lit et je me dis, c'est clair, Danny. Voilà. On va pas perdre plus de temps avec ces baratins quand même. Pastèque. Maintenant, voyons un peu ton autre fusil. Ok, donc... Imaginons que ta cible porte un casque et un gilet pare-balles. Oui, donc balles blindées. Ces balles sont fiables et précises. Voilà. Tu as ta propre réserve de crimes de guerre en puissance. Passons à tes accessoires. L'heure est venue de fabriquer ton premier silencieux. Yes. Ça va te transformer un bang en bang. Donc il faut de la poudre à canon perte en portée de tir. Et trois attaches recyclées. C'est super simple. T'as vu comme c'était facile ? Eh oui. Maintenant, tu peux descendre tes ennemis en traître. L'établi est ton ami. Il pourrait même devenir ton meilleur ami. Ah, j'en doute pas. J'en doute pas, merci. Bah attends, on va continuer du coup parce que je crois que j'ai plein de trucs. Donc sur mon arme principale, j'ai la FAL. Oh, j'ai la FAL, ouais. Et la MS-16, très bien. Donc tous deux équipés de un viseur en fer et balle blindée. J'appelle ça balle blindée, les amis, hein, par abus de langage. Et lui, j'ai un silencieux. Très bien. Est-ce que je peux lui mettre un silencieux à lui aussi ? Je peux aussi lui mettre un silencieux. Mais comme on lui a mis les balles blindées, justement... Attends, on l'a fait aussi pour... Ah, on l'a fait aussi. Bah attends, moi je veux tous des silencieux, du coup. C'est quand même plus pratique. Voilà, chacun un silencieux. Ensuite, arme principale 2. Bah oui, bah c'est bon, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Ah, l'arme de poing, bien sûr. Super important. Hop. Ah bah je peux pas. J'ai que des balles standards, je peux pas faire des balles perforantes, il faut encore de la poudre à canon, j'en ai plus. Bon bah on fera ça ultérieurement. Très bien. Apparence. Oh. Oh c'est magnifique, regardez-moi ça. Voilà, une petite apparence zèbre. Attends, est-ce qu'on peut faire pareil? Excusez-moi les gars, j'aimerais juste en profiter. Ah oui, attendez. Peinture de guerre, ça déchire. Et en plus, hop là, un petit porte-bonheur. C'est incroyable. Attendez, il y a une autre apparence. Ah oui, non, c'est bon. Ok, et on va faire encore pareil pour celui-là. Oh là là, c'est magnifique. Sauvagerie. Et pareil, le petit porte-bonheur. Moi, j'aime bien les petits porte-bonheur comme ça. Et bien voilà. Échange de matériaux. Oh. La viande abîmée du premier épisode. Et si je donne ça, il me donne des trucs pourris, quoi. Mais ce qui me permet de faire notamment les silencieux et tout, quoi. Échanger des cadavres d'animaux. Voilà, mais c'est fait pour. Hop. Bah, échange du coup. Et bien voilà. Et si j'échange ça, je reçois de l'argent, des pesos yaran. Donc c'est de l'argent, très bien. Ça ne m'intéresse pas. Mais du coup, est-ce que je peux faire maintenant J'ai toujours pas ce qu'il faut. Ok. Allez les amis, trêve d'établi. Je m'en lasse pas. Avec cet établi, on va pouvoir reconstruire Yara. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Là, il y a mon petit copain, mon meilleur ami aussi qui est là. Ça, ça fait plaisir. Juan, l'irremplaçable. Ouais, tu parles. Alors, pillage et bricolage. Personnaliser et améliorer des armes bricolées sur l'établi. Voler des matériaux de ravitaillement. Chasser des animaux et échanger leur viande. Voilà, c'est tout ce qu'on a compris, bien évidemment. Il a de sacrées dents. Ouais. Eh, reste pas là. J'allais faire une blague un peu douteuse, mais je l'ai pas faite. Ok. Mais il est malade, lui. Mais il est complètement con, lui. Mais il m'a fait tellement peur. Bon, voyons voir qu'est-ce qu'il a. Oh oui, mission. J'ai de grands projets pour toi. Mission clandestine. Mais d'abord, il faut que tu me ramènes quelque chose. Je sais, tu vas me dire, mais c'est quoi, Juan? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut ni le manger, ni lui parler, ni le mettre dans ton froc. Je sais, tu vas ajouter, mais il est où ce truc, Juan? Va jusqu'à la tour radio et suis la piste en direction du nord. T'arriveras à un camp abandonné du côté est de l'île. Je vais te l'indiquer sur la carte. Tu retrouveras mon contact là-bas. Elle te mettra au jus. Et Danny, si tu réussis ton coup, je te donnerai quelque chose pour m'avoir tiré du fond du trou. Un vieil ami m'a donné ça pour lui avoir sauvé la vie. C'est pas que tu m'as sauvé la vie. Ok, allez, ça marche. Les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez que je passe ces scènes ou pas. Parce que moi, ça me fait bien rire. Donc pour le moment, j'aimerais bien les écouter un maximum. Bon, là, ça m'a un petit peu saoulé. Donc là, les gars, je dois rejoindre la tour radio dont m'a parlé Juan. Et ça a l'air assez loin. C'est quand même à 1 km. Hein. C'est à 1 km. Mais c'est notre première tour radio. Et ça, c'est cool. Parce qu'en plus, comme récompense, on a une montre Hamilton. Rien que ça. Ça, c'est la classe. Par contre, ce qui me paraît assez bizarre, c'est que si là, il y a une tour radio, pourquoi il n'y en aurait pas avant? Je trouve ça un peu bizarre. Bon, en tout cas,
Attendez. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Bunker. Il y a un bunker. Établi, ok. C'est peut-être pas aussi loin que ce qu'on croirait. Hein. Bon, alors ce qu'on va faire... Bon, de toute façon, comme dit, normalement, si on cherche pas la merde, ça devrait bien se passer. Regardez. Alors, aussi, j'ai compris comment sortir l'appareil photo, enfin, du coup, le téléphone. Et là, on a... Eh ben, voilà. Eh ben, c'est avec ça qu'on va aller là-bas. C'est avec ça qu'on va aller à l'avant-poste, les gars. Si ça marche, bien sûr. C'est trop stylé. Donc, si je cherche pas trop les ennuis, ça devrait bien se passer, hein, le trajet, hein, je pense. C'est-à-dire que... Non, je voulais pas faire ça, je suis désolé. Oh! Mais voilà, mais... Village. Ah, c'était là où on était. Et on peut faire un déplacement rapide. Là aussi, on peut se déplacer rapidement. Ok, donc c'est bon, on a débloqué ces deux points de téléportation. Ok, il faut juste que je comprenne un petit peu. Comment on range? Comme ça. Et là, est-ce que je peux te... Attends. Frérot, on est carrément ensemble, mon pote. Bon cheval. Ouais. Oh, il est beau. Oh, je veux pas qu'il se fasse buter, par contre. Allez, t'es gentil avec moi? T'es gentil avec moi. Merde, je suis pas monté à cheval depuis l'entraînement de base. Oh, t'inquiète. Oh là là, arriba, arriba, arriba. Oh, c'est trop cool. Oh là là, mais ça va tellement vite. Arriba, arriba. Eh ben, c'est parti, les gars. On va galoper à cheval. Oh, c'est trop bien. C'est tellement agréable, en plus, je vous jure. Alors, on va faire quand même quelques arrêts express. Hein. Ok. Bouge pas, bébé. On va faire quelques arrêts express pour récupérer un petit peu tout ce dont on aura éventuellement besoin. Oh, oh là là. Bonjour, madame. Vous cultivez quoi comme... Ça sert à rien ce que vous faites, madame. Comment t'as? Ça va, merci. Ok, nickel. Bah, y'a rien à récupérer, j'ai le seum. Oh putain, y'a un tracteur! Je veux conduire le tracteur! C'est trop bien! Mon crocodile! L'écrase pas! Bon, les gars, je vais le laisser tranquille. Hein. Oh non. Ça, alors, là, c'est la panique. Mon cheval! Et on va continuer à cheval parce que c'est trop stylé. C'est bien, bon cheval. Attends, vous croyez qu'il peut traverser dans l'eau? Ce serait juste génial. Oh oui. Quel beau gosse. Ah, attendez. Là, on dirait qu'il y a un avant-poste. Vu le drapeau. Vamos. Ouais, des barbelés. On va juste éviter d'attirer trop l'attention, mais... no pass, ok. On n'a pas le droit d'aller là-haut. J'essaye un peu de me familiariser avec le terrain, hein, bien évidemment. Et on est déjà bientôt arrivé. Regardez, on voit déjà l'avant-poste. Ça va, c'est assez rapide. Ah, c'est vraiment bien fait. Hein. Aïe! Eh, mon alligator derrière, il doit avoir du mal à suivre. Hein. Attends, il s'est passé un truc là. Empêche les habitants de se déplacer dans Yara. Leur foutu air se lacère les pneus des bagnoles. Enfin, sauf si t'es à cheval. Non, attendez, attendez. J'ai eu ma dose à Esperanza. Tu tues pas les civils, toi. Détruis les panneaux officiels et regarde Libertad renaître de ses cendres. Malade. Ok, bon. Ok, donc c'est vraiment des méchants. Vous êtes pas gentils, vous, hein. Bon, j'ai fait ma bonne action. Oh non. Oh, c'est pas cool. Moi qui pensais avoir tout. Non, merde, par contre... C'était quoi, ça? Voilà. Sont tous des parias. En fait, je trouvais plus comment ranger l'arme, les gars. J'ai paniqué. Voilà, je vais pas vous mentir. J'ai perdu mon cheval encore. Hein. J'ai encore perdu mon cheval. Bon, attendez, je vais aller voir ce qui se passe par ici. Ils sont tout le temps paniqués à chaque voiture qui passe. C'est excellent. Bon, bah, ma foi, y a rien à récupérer. Hein. En fait, c'est grand et tout, mais y a rien à faire. Bon, bah écoutez, de toute façon, on a un objectif, c'est vrai, c'est d'aller à l'avant-poste. Alors, je suis désolé. On va éviter de perdre trop de temps, en effet. Et on va y aller. Par contre, j'ai perdu mon cheval. Et ça, c'est terrible. Alors, j'aimerais bien réquisitionner la voiture, mais elle appartient à un garde. Est-ce que j'essaye? Voilà. Ça, c'est fait.
Je pense qu'il suffisait juste de faire ça tout doucement. Hop, à moi la voiture. C'est parti. Ah mais je risque d'avoir des ennuis là s'ils reconnaissent la voiture les autres. Ah non, ils s'en foutent. Alors, poste de contrôle. Prenez garde au HERS, conduire rapidement, peut faire exploser vos pneus, éliminer tous les soldats et détruisez les panneaux de FND pour capturer le poste. Un éclaireur de la guérilla et des véhicules seront disponibles une fois le poste capturé. D'accord. Ok. Eh bien, on va y aller. On va y aller. Eh, tu te calmes, hein. Mais du coup, j'ai le droit. Ah, pardon. Excuse-moi. Mais j'y vais, je pars. Mais attends. Mais c'est une rebelle, elle. Mais attends. Regardez. Et pourquoi elle a le droit de passer, pas moi? Eh, attends, lui il veut chercher les emmerdes. Lui il a compris que j'étais pas là pour parler chinois. Attendez, hop. Ah non, j'ai pas de silencieux. Voilà. Oh putain. Comment se faire cramer? Attendez, je me casse, hein. Voilà. Je suis pas là. Parce que là ça va partir en couille. C'est bon, ils ont trouvé les cadavres, ils sont en alerte. Je suis dans la merde. Allez. Ça va, y'a personne. Bah on va monter. Bonjour. Merci. Y'a absolument personne. Oh bah c'est bon. Eh, franchement, y'avait qu'un seul garde, les gars. C'est quoi cette merde? Y'avait qu'un seul garde. Let's go, on va tout faire là, c'est bon, c'est à nous là. Bon après c'est le tuto, hein. Hop, je récupère tout. À moi. Tout ça c'est à moi. Veuillez noter que tout matériau dangereux doit être entreposé au fort Quito aussi discrètement que possible. Il est également essentiel à la bonne conduite de notre mission de véhiculer l'idée que nous sommes là pour le peuple, alors que nous sommes des gros fils de pute. Dans ce but, un panneau officiel a été installé à chaque poste de contrôle. Attention, la guérilla risque de chercher à les détruire pour contrecarrer notre propagande. Nous ne tolérons pas le moindre acte de vandalisme terroriste. Ok, donc vous l'aurez compris, en effet, il y a plusieurs types de milices. Bon, comment ça marche? Ah oui, il faut désactiver l'alarme. Attends, mais gros. Oh. Voilà, on va pas parler chinois 32 ans non plus. Ok, j'avais oublié ce qu'il fallait faire. Il faut détruire ce fameux panneau, en effet. Alors, comment on va faire? Je ne sais pas. Comme ça? Putain, mais je suis vraiment une queue. Ah, mais voilà. J'ai pas d'explosif, j'ai rien. Bah ben voilà. Ah, c'est pas facile, hein, c'est le début, les gars. Mais après, ça va être automatique, hein, vous inquiétez pas. Ok, ça, c'est à nous. La musique est magnifique, par contre. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est juste magnifique. Ok, donc là maintenant, c'est chez nous, c'est notre territoire. Il y a des gardes, des chevaux. Toi? Ouais. Oui, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Juan, le poste de contrôle est dégagé. Ça t'a fait du bien, pas vrai? T'as pas mal soigné ton karma aujourd'hui. Continue comme ça. Très bien. Bon, ça va être un petit peu notre chef, lui aussi. Allez, direction la tour radio. À la base, on est là pour la tour radio. Hein. À la base. Alors, on va y aller comme ça, à pied. Oh, ça, c'est des chevaux sauvages. Hein. Attention tout de même. Hein. Bonjour, monsieur. Vous avez peur de moi? Ouais. À genoux. Sois sympa. Range ton arme. Pitié. Je veux pas d'ennui. Ok, je voulais juste vérifier si c'était comme sur les autres Far Cry. Et c'est le cas, et c'est cool. Allez. Par contre, en fait, ça sert absolument à rien cette arme, puisque je n'ai pas de silencieux.
Alors, c'est parti. Il me fait bader, lui. Hein. Moi, je peux te caresser. Attends, frérot. Un petit peu de... À la base, je voulais juste le caresser. Hein. Ah, c'est ça pour toi, caresser? D'accord, ok. Bon. Allez, on va monter. Je pense pas qu'il y ait de garde, en vrai, là. Je pense pas qu'il y ait de garde, en vrai. C'est vraiment la toute première tour radio. Easy peasy, quoi. Et après, les autres, on va en chier, mon pote. Évidemment. Juan, j'ai trouvé la tour. Continue comme ça, Danny. Trouve le chemin des camarades et suis-le jusqu'à mon contact. Bien reçu. Je me mets en route. Le grappin, ça va être kiffant à chaque fois. Oh, elle est trop forte. Elle est trop forte. Hop, tout ça, c'est pour moi. Hop. Et il est où, le machin? Ah, il faut aller là-bas. Oh, je suis déçu. Ouh, c'est parti. Ah, c'est là qu'on va en chier, je pense. Allez, un petit peu de parcours, les amis. Oh, j'ai cru que j'avais foiré. Je vais pas vous mentir, je me voyais en bas. Hein. Magnifique. Ah, mais c'est bon, c'est un pote. T'es au bon endroit, Danny. Salut! Je m'appelle Raissa et je vais t'aider à détrousser Castillo aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on lui pique au juste? De l'uranium appauvri. Pardon, j'ai cru entendre uranium. C'est bien ce que j'ai dit. Écoute, j'ai grillé mon dernier contact dans l'armée qui le traquait pour Juan. T'es une ancienne militaire? Comme tout le monde, non? Ok. Montre-moi où il est. Commence par prendre ce parachute. Fais-moi confiance, ça peut te sauver la vie. Ensuite, je te conduirai au vieux fort espagnol. Il est verrouillé de l'intérieur. Parachute, mon pote. J'ai carrément un parachute, quoi. Sans déconner, quoi. Allez, je te suis, Raissa. Ah. Je crois qu'il y a des coups de feu. Appelé ou volontaire? Appelé. Ils ont tiré mon numéro, alors j'y suis allée. Et toi? Volontaire. Je voulais devenir soldat. Porter l'uniforme, servir mon pays, tu vois. Et puis, j'ai compris que pour Castillo, le soldat idéal, c'est un fasciste aveugle qui suit ses ordres à la lettre. Donc maintenant, t'es une traître. Ouais, et je suis pas la seule. Le garde posté à la tour de guet va nous laisser l'utiliser. Là, j'ai un bon sniper. Hein. Il peut aussi nous donner des infos utiles. Et qu'est-ce qu'il y gagne? Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul. Alors range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deuxio, il nous donne des infos sur l'armée en échange d'un petit peu de temps. Ok, je range mon arme. Ouais, c'est fait. Mais toi aussi, range ton arme. Voilà. Certains soldats sont des agents doubles des FND et disposent de précieuses infos. Mais c'est un truc de fou. Soudoyer l'agent avec des pesos. Des caches des FND seront alors révélés sur votre carte. Mais c'est un truc de ouf. J'adore. Voilà. Vive la corruption. Je vous ai dit que le jeu se politisait. Hein. C'est quoi ce laser vert là-bas? Ok. On peut prendre des photos? Magnifique. Magnifique. Bon allez, on va le soudoyer. Moi j'adore soudoyer les gens. Salut petit con. Je peux même l'éliminer si t'as je veux. T'as des infos pour moi? Bon, jette un coup d'œil. Tu trouveras des armes par là-bas. Merci, c'est sympa. Pas de quoi. Bah, c'était rapide. Hein. Je sais pas ce que vous préparez, Raissa et toi, mais j'espère que je serai déjà loin. T'inquiète. Et si je veux te buter, je peux te buter. Hein. Où c'est qui m'a mis du coup les machins là? J'ai pas compris. J'ai absolument pas compris. Cache des FNDA, voilà ici. Bah juste là où j'ai visé avec mon téléphone avant. Arsenal, donc ça c'est mes armes. Et journal, c'est les missions. On est donc on est sur cette mission. Ça c'est les missions terminées, d'accord. Ouh. Ok, j'ai tout compris. Est-ce que je le bute ou pas? Oh, tout le monde a un prix. On en aura peut-être besoin encore. Pas des fanatiques. Certains essaient juste de nourrir leur famille. Mais n'oublie pas de ranger tes flingues avant d'approcher. Ouais, ça faut pas oublier. No creas en su mierdo. Mierda. C'est, si vous avez pas compris ce que ça veut dire, je vous dirai un jour. Parce que moi, c'est un petit peu ma langue maternelle. Hein. Fuck Castillo. Bon, bah ça, je crois que j'ai pas besoin de traduire. On va s'en arrêter là, les amis, déjà pour cet épisode. Mais juste, je vais me permettre de monter tout en haut. Hop. Mais en fait, c'est elle qui m'emmène là-haut. Et c'est moi qui y suis allé tout seul. Je suis trop intelligent, utilise en fait. Utilise ton téléphone pour observer les ennemis et repérer leurs points faibles. Je suis trop intelligent. Juan t'a déjà fait son baratin en mode le bon. Je suis trop intelligent. Dis pour le bon boulot. Oui. Oui. Sortez le téléphone.
On prend des photos, on marque les soldats. Et on peut utiliser d'ailleurs l'établi pour fabriquer. Voilà. Très bien. Allez, on va faire un petit tour. Et puis on va pas s'en arrêter là. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors. Mince, je voulais pas faire ça. Oh, et en plus, on voit vulnérable aux balles perforantes. Très bien. Bon, bah, c'est notre cas, c'est bon. Donc, un ici. Voilà l'officier qui commande. C'est Alvarez okay. qui a la clé de l'armurerie. Fais attention, il est haut placé. Dans l'armée de Castillo, ça veut dire qu'il est aussi mieux entraîné, meilleur au tir. Oh. Ce salaud est coriace. Il y en a beaucoup en vrai. Hein. Ça va, là j'en ai eu 4. 4, est-ce qu'il y en a un encore caché? Je sais pas. Mais du coup, lui, il faut le buter ou pas? Oui, je pense. Ok. Bah, est-ce qu'on commencerait pas par le meilleur? Ah ouais. Les soldats sont équipés de casques et gilets pare-balles. Mais ils devraient pas résister longtemps à tes balles perforantes. Utilise l'établi si t'as besoin d'en fabriquer. Et va récupérer cet uranium, Danny. Bah attends, oui. J'ai besoin de balles perforantes pour cette nouvelle arme que je viens de récupérer, ce fameux sniper. Qui a pas l'air terrible. J'ai déjà. Ah, j'ai pas balles perforantes. Ah, le seum. Ah là là. Ah oui, c'est terrible. Je n'ai pas ce qu'il faut. Puisque j'ai tout claqué pour. Ah, j'aurais pas dû. Ah! Métal. Et ben voilà, c'est pas avec ça qu'on fait. Attendez, bougez pas. Est-ce que je suis pas un peu l'un des meilleurs? Attendez. Je ne peux pas. C'est de la poudre à canon qu'il faut. Je n'ai pas de poudre à canon. Je dois infiltrer l'armurerie. Ok, bon bref, faut y aller dans tous les cas, donc on s'en fout. Ah, d'où le parachute. Allez, c'est parti. Hop là. Je suis un boss. Alors lui, mon pote, il va passer un sale quart d'heure. C'est moi qui te le dis. Je vais prendre un malin plaisir de lui faire une balle dans la tête. Il m'a fait peur, lui. Regardez bien, ça va aller très très vite. Hein. 3, 2, 1. Yes. Et merde, j'ai cassé mon silencieux. Je me suis pas fait cramer? Ah si. Je me suis fait cramer. J'ai cassé mon silencieux, j'ai le seum. Hein. Allez, go. J'ai intérêt à faire gaffe. Ah ouais, le problème c'est que c'est des silencieux en carton quoi. Allez, go, on y va. Viens voir. Oh! Attention, ils ont rappelé leur patrouille. Non, il y a une alarme. Ça veut dire qu'il y en a d'autres? Et merde. Eh bah, je suis pas dans la merde. Connard! Meurs! C'est bon, attendez. Ah, je suis pas bien. Hein. Oh là là! C'est pas la meilleure infiltration, hein! Comment je vais pouvoir faire? Putain, ils sont énervés. Hein. Oh grenade! Ouais, mais c'est quoi? Mais calmez-vous les gars! Ah ouais, c'est. Ça va devenir compliqué. Ah, attendez, il y a celui qu'on veut buter là. Attendez. Il y a le frérot. Gabriel! Et ben voilà! J'ai tué Gabriel! Pardon? Hop, dans ta gueule! Vas-y, tirez-moi dessus! Je l'ai en otage! Ça va le faire, les gars. La clé. Ça devrait m'amener à l'uranium de Juan. Bon.
Allez. Et puis tant qu'on y est, on récupère tout. Ah les gars, c'est pas la meilleure infiltration. Oh, on va essayer d'en faire, hein. Mais j'aime bien aussi aller en mode bourrin. C'était pas prévu, mais c'est sympa aussi. Bon, ils savent pas où je suis. Et ça, c'est bien. Ça, c'est pour moi. Gapo est à terre. Oh non! J'ai plus de Gapo. Ça. Et ben voilà. Le petit coup de mortier, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà. Allez. Bon, bref. Mais elle est où l'armurerie, bordel? Je dois trouver la... Attendez. Eh, hey, j'ai le regret de vous informer que votre fils a été tué dans l'exercice de ses fonctions. Bah, c'est bien dommage. Oh, le petit headshot. Je suis en haut. Quel enfer. Quel enfer. J'ai trouvé l'armurerie. Et ben voilà. L'uranium est là-dedans. C'est parti. L'uranium. À moi l'uranium. J'ai voilà. Ta saloperie d'uranium, Juan. Alors ramène tes fesses ici. Je te préviens la prochaine fois. Juan. Juan. Ouais, on va juste éviter de crever. On va s'enfuir comme des lâches. Regardez, hop. Et voilà, on se casse. On se... Eh, j'ai un parachute, hein. On se casse. Hop là. Ah, pas le choix. J'ai pas le choix de faire comme ça, les amis. Par contre, j'ai abandonné mon crocodile. Honte à moi. Honte à moi. Mais je pense que j'en aurai d'autres. Mais non, il va revenir, vous inquiétez pas, il est trop fort. Et en plus, il y a un cheval juste ici. Bon, les gars, c'était la galère. Je vais pas vous mentir, cet épisode, c'était la galère. Ça ne s'est pas passé comme prévu. On va retourner au camp. Mais attendez, mais non, je peux me TP. Je peux me TP totalement au camp. Et ça, c'est cool. Ah non, je suis en combat, ça ne marche pas. Mais on pourra juste après. Et donc ça, c'est bien. On va suivre ce chemin, les amis. C'était la galère parce que j'ai pris du temps à trouver l'armurerie. Et en plus de ça, du coup, on y allait en mode bourrin, quoi. Et je voudrais toujours savoir ce qu'il compte en faire. Connaissant Juan, tu peux t'attendre à une grosse surprise qui tâche. Rendez-vous au camp. Ça marche. Et ben c'est là-dessus les amis qu'on va s'en arrêter là. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Je suis en train de faire peur à tout le monde, accessoirement. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Peut-être aussi des conseils, même si très sincèrement, je pense que ça va mieux aller. Hein. Il faut juste, voilà, c'est le temps de prendre la main. Nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ce sera demain, les amis, comme d'habitude, à 16h. N'oubliez pas le pouce bleu, c'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Et rendez-vous au camp, demain. Ciao tout le monde.